Ma scoscopie de vision de près, je vais passer à l'examen monoculaire. Pour cela, je vais faire l'œil droit, après l'œil gauche. J'occlus mon œil gauche et je mets la cire. Okay. Est-ce que vous lisez, s'il vous plaît? Dès que vous parvenez à déchiffrer la première ligne, vous m'arrêtez. Je vais démyopiser par part de 0,50. FZDN. LPH, CLED, FVOR. VHRN, HOFZ, ECDH. LN, EO, VPRH. Non, ok. Et là, ROFZ. Ok. Vu que je suis déjà à la deuxième, je vais passer directement à la recherche de l'astigmatisme. À la recherche de l'astigmatisme, pour cela, j'utilise mes cylindres croisés rotatifs et je mets ma cible à MAV-1 qui est de 9 dixièmes. Ok. Vous préférez lire les lettres en position 1, position 2, ou est-ce pareil? Position 1, position 2 aussi pareil. Celle-là. Cette position. Oui. Ok, je mets à 45-135. Position 1, position 2 ou est-ce pareil? Refaites. 1, 2 ou c'est pareil? Refaites. Position 1. Deux ou c'est pareil? Celle-là. Celle-ci? Oui. Vu que vous avez préféré 90 et 135, je mets votre axe à 120. Et je mets le cylindre de 0,50. Je compense avec la sphère de 0,25. Préférez les lettres en position 1, position 2 ou c'est pareil? Refaites. Position 1, position 2 aussi pareil. C'est pareil. C'est pareil. Je vais passer à la vérification de l'axe. Pour cela, je mets les mollets dans l'axe. Et je mets ma cible qui est le nuage de points. Les points sont plus noirs, plus nets, plus contrastés en position 1, position 2 aussi pareil. Parfait. Position 1, position 2 aussi pareil. C'est pareil. Comme c'est pareil, je vais à 100 à 90, position 1, position 2 aussi pareil. Refait. Position 1, position 2 aussi pareil. Attends, refait. Les points sont plus noirs, plus nets, plus contrastés. Oui. En position 1, position 2 aussi comme pareil. Ça. Cette position, oui. Je redescends de 15. Oui. Préférez les points en position plus noire, plus nette, plus contrastée en position 1, position 2 aussi pareil. Comme ça. Cette position. Ok. Vous faites revenir. Le 10. Les points sont plus noirs, plus nettes, plus contrastés en position 1, position 2 aussi pareil. Comme ça. Cette position. Mm-hmm. Non, je me fais. Je descends de 5. Les points sont plus noirs, plus nets, plus contrastés en position 1, position 2 aussi pareil. Refait. Position 1, position 2 aussi pareil. T'en refais. Position 1, position 2 aussi pareil. Non, c'est pareil. C'est pareil. Oui. Vérification de la puissance. Pour cela, je mets mon MAV-1 et le point rouge dans l'axe. Ok. Vous préférez lire les lettres en position 1, position 2 aussi pareil. Comme cette ça. Position. Ok, je vais diminuer. Je diminue de 0,50. 0,25, pardon. Préférez en position 1, position 2 aussi pareil. Refait. Position 1, position 2 aussi pareil. Refait. Position 1, position 2 aussi pareil. C'est pareil. Pareil. Oui. L'efficacité de la sphère, pour cela j'enlève
cylindre croisé et je mets ma MAV qui était du dixième. Préférez lire les lettres en position 1 ou position 2? 1. Position 1, celle-ci. Oui. Préférez lire les lettres en position 1 ou position 2? 1. Position 1, oui. Celle-ci. Préférez lire les lettres en position 1 ou position 2? Refait. Position 1 ou position 2? C'est pareil. Pareil. Oui. Ok. Position 1 ou position 2? Non, non, avant. Celle-ci. Oui, l'autre c'est moins bien. Vous régitez. Oh. Oui, mais celle-ci, c'est moins bien. C'est moins bien celle-ci. Oui, oui, okay. C'est ça. Je garde la valeur la plus convexe. Passez maintenant à la recherche avec l'œil gauche. Pour cela, je ferme l'œil droit et j'ouvre l'œil gauche. Et qu'est-ce que vous voulez parvenir à lire? Rien. Ok. Dès que vous parvenez à lire la première ligne, vous m'arrêtez. Je vais diffuser par pas de 0,50. FZDN. Ok. C'est là. Non. LPHCNED FV. FVOR. Ok. VHRM HOFZ ECDH. Ok. LNEO VPRH ici HOFZ. C'est mieux ici en position. Position 1 ou position 2? Non, comme ça. C'est mieux avec cette position. Ok. Je passe à. Je garde ma MAV moins 1. Et de la dixième. Et je passe à la recherche de l'astigmatisme. Vous préférez lire les lettres en position 1, position 2, comme ça, pareil, comme cette position. Ok. Position 1, position 2 ou c'est pareil? Refaites. Position 1, position 2 ou c'est pareil? Refaites. Position 1, position 2 ou c'est pareil? Refaites la dernière fois. Position 1, position 2 ou c'est pareil? Cette position? Oui. Ok, vous avez accepté 90 et 130 et 135. Là, je me place à 120. Ok. Je vais passer à la recherche du cylindre. Pour cela, je mets 0,50 de cylindre et je compense à une sphère de 0,25. Préférez lire les lettres en position 1, position 2 aussi pareil. Comme ça. Cette position, oui. Ok. Je diminue de 0,25. Préférez lire les lettres en position 1, position 2 aussi pareil. Refait. Position 1, 2 aussi pareil. Refaire. Une, deux ou c'est pareil? Comme ça. Cette position? Oui. Oh, vous me demandez de rajouter. Je rajoute. Position 1, position 2 ou c'est pareil? Comme ça. Cette position, là, je diminue et je m'arrête. Je passe à la recherche, à la vérification de l'axe. Pour cela, je mets les nuages de points. Et je mets les molettes dans l'axe. Vous préférez lire. Les points sont plus noirs, plus nets, plus contrastés en position 1, position 2 aussi pareil. Refait. 1, 2 aussi pareil. Position 1, position 2 aussi pareil. C'est pareil. C'est pareil. Ok, je passe à la vérification. Non, je rajoute 0. Je rajoute de 30. Ok. Préférez les points en position 1, 2 ou c'est pareil? Les points sont plus noirs, plus contrastés en position 1, 2 ou c'est pareil? Celle-là. L'autre? Oui, celle-là. Ok. Je diminue de 15. Points sont plus noirs, plus contrastés en position 1, 2 ou c'est pareil? Avant. Cette position? Oui. Ok. Encore de 10. Les points sont plus noirs, plus nets, plus contrastés en position 1, 2 ou c'est pareil? Refait. Position 1,
2 ou c'est pareil. Comme ça. Cette position. Je reviens de 5. Les points sont plus loin, plus net, plus contrastés en position 1. 2 ou c'est pareil. Avant. Cette position. Oui. Position 1, 2 ou c'est pareil. Non, c'est pareil. Ok, on est revenu à l'axe qu'on avait au départ. Passer à la vérification de la serre. Pour cela, je mets ma MAV. Et vous préférez lire les lettres en position 1 ou position 2? C'est pareil. C'est pareil, je garde la plus convexe. Mm-hmm. Position 1 ou position 2? Non, avant. Cette position? Oui, oui. L'autre, okay. C'est moins bien. Et vous dites bien la position oui, si est refusée. Bien, ok, ça va. Ok. On constate que les acuités visuelles à l'œil droit et l'œil gauche sont dans les normes du 10e et que devant l'œil droit, j'ai moins 0,25 pour la sphère, moins 0,25 pour le cylindre à 100 degrés et que devant l'œil gauche, j'ai moins 0,75, plus 0,75 pardon, et moins 0,25 de cylindre à 120.